Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Teen Hearts, Acte 2, un jeu développé par Roxon et édité par Weird Productions. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Et nous allons continuer notre aventure avec l'acte numéro 2. Plein de succès s'offriront à nous. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer cet univers puisque l'acte 2 est beaucoup plus complexe et puis il y aura plein de nouvelles mécaniques qui vont s'ajouter. Mais en attendant, je vous laisse profiter de la cinématique. Oh, hello. I didn't see you. How long have you been standing there? Me? Well, I just got here. Well, please, do carry on. Well, don't mind me. Pretend I'm not even here. Well, all right then. Nous voilà donc dans le 19e niveau, il va falloir activer ce petit bonhomme ici que vous voyez. Ce dernier aura trois manières de pouvoir le faire déclencher et puis vous verrez qu'il fera monter le tabouret en hauteur, ce qui permettra à nos petits soldats d'atteindre la porte. Comme d'habitude, vous le savez, on appuie sur A et puis on met pause assez rapidement pour voir le trajet. Nous avons appris dans l'acte numéro 1 à pouvoir manier l'angle des tambours et c'est parfait. Ici donc vous faites en sorte que les bonhommes rebondissent du tambour précédent à celui-là. Et ensuite il va falloir mettre le tambour en hauteur afin que les personnages, vous voyez, passent par la passerelle pour pouvoir prendre le ballon et ensuite glisser le long de la harpe. Donc très important d'être le plus précis possible dans le choix de l'angle des tambours. Voilà, donc vous le voyez, les soldats vont glisser le long de la harpe et rebondir ensuite, enfin plutôt atterrir, pardon, sur la table. Vous devez mettre le bloc de telle sorte à ce que les soldats puissent rebondir directement sur ce tambour. Et ensuite, nous allons changer l'angle de ce dernier afin de le faire aller sur le dessus de la cheminée. «
Ici, il faudra donc que le boulet de canon puisse viser l'échelle qui se trouve juste derrière cette lampe afin de l'abaisser et faire en sorte que les soldats puissent grimper sur l'étagère en hauteur, ainsi poursuivre le chemin pour redescendre ensuite sur l'étagère du bas, pardon. Et puis ils vont rebondir sur cet accordéon, rebondir ensuite sur ce tambour, rebondir à nouveau sur la table, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir manier le chemin. Ici, vous pouvez mettre donc une rampe afin de faciliter le passage. Je vous rappelle, deux fois des pads vers le haut ou vers le bas. Vous voyez donc ici que notre petit personnage de plomb, en marchant en avant, fait monter le tabouret, ce qui va permettre aux soldats d'accéder de par la plateforme d'où nous avons commencé, accéder à la porte grâce à ce tabouret qui est monté. Donc, vous le voyez, le trajet maintenant se fait automatiquement en sautant sur le tambour. Cela mène nos soldats vers le haut qui vont retomber naturellement vers la plateforme de ballon et donc accéder directement à la porte. Voilà, 19e pardon, niveau terminé, on passe au suivant. Dans ce niveau, plusieurs choses, nous aurons deux succès, à savoir le fait que nous allons pousser les poules. Il y a différentes poules qui se trouvent tout au long de ce deuxième et troisième acte. On doit donner un coup de pied à chacune de ces poules. Pas de souci, je vous montre où elles sont, pardon. Et puis, nous allons apprendre une nouvelle mécanique et ainsi débloquer un nouveau succès qui s'appelle un ami pour la vie. Cela consiste donc à pouvoir manier un petit soldat de manière autonome. On va pouvoir le faire courir, sauter, peu importe. Et donc, du coup, donner des coups de pied aux poules. Et vous allez voir que dans cet acte 2, ce petit soldat de plomb est bien téméraire. Ici, vous connaissez la chanson. Il vous faudra donc appuyer sur pause. Vous voyez le cheminement que j'ai fait dès le début. Les petits soldats, donc, grâce aux boulets de canon, ont abaissé le ballon. Ces derniers vont pouvoir descendre sur le lit et nous allons pouvoir apprendre cette nouvelle mécanique qui est donc le fait de pouvoir manier un soldat de manière autonome. Pour ça, rien de plus simple, il suffit que les soldats passent à travers l'habitation et attention, je dis bien attention, vous devez toujours mettre vos soldats en mouvement. Si ces derniers sont en pause, eh bien, il sera très difficile de pouvoir manier le soldat. Donc, tout se fait de manière continue. Ne mettez jamais vos soldats en pause, sinon vous allez avoir des bugs et ça va être très compliqué de rattraper tout cela. Vous devrez recommencer le niveau. Je vous montre la cinématique et je vous explique la suite après.
no time to stop. I'm on an important mission. What important mission? Oh, just quit your marching and come join me. We shall explore the world together. What do you say? Sorry, Miss Gertrude, I must march on. What nerve. Would you look at that, Mr. Mooch? Oh, I know what it is, Mr. Mooch. It must be the same thing on his back, always twisting and turning and grinding our little soldier down. Let me just... Wait! What are you doing? Put me down! You can't! No! I need that! Now, sit still, Mr. Soldier. This will only take a second. All done. So, how does that feel? Oh no! What have you done? How does it feel? It feels wonderful, actually. Look at me! So nimble, so flexible. Yay! Hop, hop, hop! You see? Now you're finally free to go on all sorts of adventures with me. Just like it was meant to be. Whee! Voilà, donc vous le voyez, votre tout premier soldat va passer sous l'habitation. Il va se faire capturer par, je crois, Béatrice, si j'ai bien retenu. Et le reste de vos soldats vont continuer leur chemin. Comme je vous ai dit, ne mettez jamais en pause vos soldats. Il va toujours falloir trouver un moyen de les contenir dans la zone. Éviter qu'ils tombent, éviter qu'ils meurent, peu importe. Ils doivent toujours être en mouvement, c'est très important parce que sinon ça va être très compliqué de les récupérer. Et comme je vous l'ai dit, vous devrez recommencer le niveau. Alors, ce soldat, bah malheureusement, j'ai déjà obtenu mon succès lorsque j'ai testé ce niveau. Donc, vous devriez avoir votre succès un ami pour la vie. Et donc, vous le voyez ici, vous pouvez manier un soldat. Faites baisser le livre, descendez ensuite le long de l'échelle ou pas, soyez téméraire comme bon vous semble. Montez ensuite sur le bureau, X pour pousser la petite boule. Ce dernier va alors venir couper une ficelle pour faire monter le ballon. Vous le verrez, notre ami soldat emprunte des fois des chemins très très différents des autres soldats de plomb. Il est en sorte de, d'éclaireur, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, votre petit soldat ici, vous le faites à nouveau monter par l'échelle et puis vous allez prendre le tambour. Monter en hauteur et puis là moi aussi vous devriez trouver une poule, je l'ai déjà fait tomber et vous devriez obtenir votre succès, la cage aux poules. Alors faites attention quand vous recommencez un niveau, ben, la poule elle a déjà disparu si vous l'avez déjà fait tomber, mais pas de souci, le succès, enfin le comptage est bien validé. Ici vous déposez donc votre petit soldat. Ce n'est que lorsque votre soldat se trouve près de la porte que vous pouvez mettre vos soldats en pause et donc modifier leur trajet. Je le répète, une fois que votre soldat se trouve devant la porte, la sortie, c'est uniquement à ce moment-là que vous pouvez mettre vos soldats en pause. Sinon, encore une fois, vous ne pourrez pas les récupérer. Donc là, maintenant, eh bien, j'ai réussi à mettre donc mon soldat devant la porte. Et je peux modifier, comme vous le voyez, le trajet en plaçant mes blocs. On va faire passer donc nos soldats de plomb sur le tambour. Vous le voyez, on va pouvoir ensuite les faire sauter. Et puis, il nous faudra donc un bloc pour pouvoir les faire continuer plus loin. Mais vous le voyez ici, je peux à nouveau récupérer le dernier bloc une fois que mon dernier soldat a touché. Et on va les faire passer par la montgolfière, on va dire. C'est une sorte de montgolfière. Voilà, donc on modifie l'angle de ce bloc. Il passe par la montgolfière et puis on va mettre un dernier bloc pour qu'il puisse atteindre la porte.
Si vous souhaitez obtenir le succès où vous avez récupéré tous les soldats de plomb dans cet acte numéro 2, n'oubliez pas, une fois que le dernier soldat guidé, j'ai envie de dire, passe la porte, de reprendre le contrôle de votre soldat solitaire et de lui faire franchir également la porte. C'est très important pour le décompte final et c'est très important donc pour votre succès. Donc là, vous voyez la suite, ce sera là. Une fois que la cinématique sera passée, eh bien, je pourrai reprendre le contrôle de mon petit soldat de plomb et lui faire franchir la porte. Mommy, can I tell you a secret? You can tell me anything, my darling. You know that. I think Daddy's making a special toy just for me. Hmm, is he now? Well, aren't you a lucky little girl? Yes, I've seen it inside his workshop. He keeps it covered, but I think I know what it is. Hmm. If he keeps it covered, he probably wants it to be a surprise. So, what if we keep this secret between us girls for now? Good idea, Mummy. After all, everybody loves a good surprise. That's right, dear. Good night, little angel. Voilà, donc avec à posséder donc le dernier soldat, celui-ci se dirige naturellement vers la porte et puis on va pouvoir du coup passer au niveau suivant. Bienvenue dans ce 21e niveau, pas de soldats de plomb, pas de poule à renverser, donc voilà, ça va aller, juste nos petits soldats à la queue leu-leu. Niveau assez facile à faire, si ce n'est qu'il faut comprendre la mécanique de ce tambour qui va avoir deux angles différents, il faut le savoir, mais voilà, rien d'impossible. Donc là je vais vous montrer, ici vous mettez l'angle pour que nos soldats puissent aller sur les côtés du paquet cadeau et ensuite emprunter le chemin vers les ballons. Le but étant de faire en sorte que ce petit canon puisse, vous le voyez, voilà, ici, atteindre ce ballon-là, puisque celui-ci est relié par poulie à une autre montgolfière. Et vous allez le voir, il y a un bloc caché dans cette montgolfière. Et pour faire descendre cette montgolfière, il faut éteindre les bougies. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais voilà, c'est la mécanique de ce 21e niveau. Donc vous le voyez, nos soldats vont taper contre ce canon. Le ballon va descendre grâce à un système de poulies. Vous le verrez, ce système de poulies, on le trouvera à plusieurs reprises. Ici, comme une sorte de ventilateur qui souffle donc les bougies, on va pouvoir récupérer un bloc, le seul bloc de ce niveau-là, et nous allons dès à présent pouvoir modifier le trajet de nos petits soldats. Donc, vous le voyez, nos soldats reviennent par la table et passent entre les cadeaux. Il faut changer l'angle de ce tambour, faire en sorte que ces derniers tapent le canon. On va envoyer le boulet vers cet autre canon, ici présent. Et celui-ci, nous allons le diriger vers le paquet cadeau qui est posé donc à la verticale. Donc les commandes inversées, c'est toujours bien galère. N'hésitez pas à basculer l'affichage si c'est trop compliqué. Voilà.
Ce livre ou ce paquet cadeau renversé va pouvoir libérer le chemin et nos soldats vont pouvoir emprunter ensuite ballon et tambour. Et donc, on va pouvoir utiliser le seul bloc présent dans ce jeu pour diriger les soldats vers la porte. Donc, faites en sorte de bien faire rebondir le faisceau lumineux de cette manière-ci. Et nous aurons terminé notre 21e niveau. I forgot to mention, there was another letter. Was it them again? No sender on the envelope, but there's no mistaking their seal. I'm not sure why they keep insisting. I've told them I'm not interested. Well, try not to burn any bridges, dear. By the way, your little side project. Hmm? The dollhouse for Rose. Oh, yes? What about it? She's seen it, you know. She keeps asking me about it. I thought you were going to finish it for her birthday this year. Oh, I know, I know. That was the plan, but it's not ready yet. Not ready? How long have you been working on it? Long enough. But it's just not done yet. It has to be perfect, Talon. The perfect birthday present for the perfect little girl. Well, if you're going to let her meander in your workshop, maybe you should move it somewhere else while you finish it. Or it won't be a surprise at all. That's a good point, actually. Yes, I'll move it in the morning. Perhaps in the study. She rarely ever goes in there. Good night, my love. Good night. Voilà, bienvenue dans le jardin, probablement le niveau le plus long de ce deuxième acte. Dans ce niveau, il va falloir faire tout le tour du jardin. Nos soldats partent d'ici et reviennent ici. Donc il va falloir vraiment faire tout le tour. Et puis on va apprendre une nouvelle compétence qui est celle de pouvoir manier les moulins à vent, ce qui va permettre donc de faire en sorte que nos petits soldats volent allègrement dans les airs. Donc vous connaissez la chanson encore une fois, vous les faites sortir et puis on appuie sur RB pour les mettre en pause et voir leur cheminement. Ici, pas grand chose à modifier, si ce n'est l'angle de votre canon, il faudra tirer sur le train en bois afin de libérer le passage pour plus tard.
think maybe if I... No. There. No, no, no. Can I just... take that back? That's quite all right. Let me think. Take your time. Take your time. This is too hard. Voilà, donc après la cinématique, on va pouvoir modifier l'angle de ce dernier cube. Deux fois des pads haut ou bas. Nos soldats doivent donc descendre sur la chaise. On va récupérer les blocs qui se trouvent vers cette jolie petite cabane. Voilà, donc on va récupérer la lettre U. On met donc ce fameux bloc et nous allons pouvoir modifier l'angle du tambour et on va pouvoir faire passer nos soldats par le chemin où se trouvait auparavant le train en bois. Ici, pas grand chose à faire si ce n'est se laisser emporter par le vent et les soldats. Vous pouvez regarder la cinématique. La seule chose qui sera modifiée, c'est l'angle de ce tambour. Essayez de le faire tomber vers le haut pour que ces derniers puissent rejoindre la passerelle des ballons. You cheeky. Come here, you. Ici, mettez pause et il va falloir modifier non seulement l'angle des tambours, mais également les trains. Donc là, faites en sorte de tomber pile poil dessus. Et puis ensuite, quand vous choisissez l'angle, vraiment faites en sorte d'aller le plus loin possible dans l'angle. Parce que vous n'avez que 4 tambours. Donc vous voyez ici, j'essaye d'aller le plus loin possible. C'est par là. J'avance mon petit train et ainsi de suite. Does she take after, I wonder? Ici, vous ne le voyez pas très bien, mais il nous faudra prendre un triangle. Et ensuite, eh bien, nos soldats vont, grâce au moulin à vent, se diriger vers le tambour et ensuite sur la table. Il faudra mettre les deux formes correspondantes et puis nous allons diriger le canon vers l'arrière du tableau afin de l'abaisser, ce qui permettra de créer un passage pour les soldats.
Par la suite, vous allez pouvoir retirer la forme, la remettre à sa place, ce qui permettra donc de n'avoir aucun obstacle pour les soldats. Nos soldats vont maintenant pouvoir se diriger vers le déblocage d'une nouvelle compétence qui est celle de pouvoir manier les moulins à vent. Et vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Seventeen, 18, 19, 20. Ready or not, here I come. Where is that young miss? Donc ici, pour manier les moulins à vent, eh bien, vous commencez toujours par le moulin qui est le plus éloigné parce que sinon, ça va vous demander de faire 350 000 réglages. Donc, on va diriger les soldats vers la table de départ. Ensuite, vous maniez les moulins en allant comme le saumon dans la rivière, vous leur montez et de cette manière, eh bien, vous aurez moins à faire les petites retouches. Donc, on va de la table au moulin, du moulin vers la fontaine, de la fontaine vers le bac à fleurs. Et ensuite, on va faire en sorte de diriger ce premier moulin-là vers le bac de fleurs. Donc comme je vous ai dit, pour beaucoup plus de simplicité, de facilité, eh bien, touchez toujours en premier le moulin le plus éloigné. What is it? Nothing. I love you. I know. Look. So pretty. I know. Donc, vous le voyez, on revient un petit peu en arrière, on revient sur la table où se trouve l'échiquier. Pourquoi ? Parce que vous le voyez dans la petite maison de théâtre là-bas, il y a le soldat qu'on va pouvoir activer. Il y a également une poule qu'on va pouvoir taper, elle est là sur la chaise. Bon, moi je l'ai déjà tapée, mais elle est présente, ne vous en faites pas. Et puis notre petit soldat va pouvoir aller par derrière la véranda pour débloquer le tout. Alors là, vous prenez votre pièce et puis vous n'oubliez pas, la tournez deux fois avec le D-pad au bas et ensuite vous la dirigez de cette façon. Votre petit moulin à vent doit taper vraiment sur ce bloc et rebondir sur l'une des lumières.
les soldats doivent vraiment faire le tour de la maison. Je vous montre après comment déplacer ce bloc, mais vraiment très important, ils doivent pouvoir faire le tour et tourner en rond, comme je vous l'ai dit précédemment. Ils doivent vraiment, vraiment, vraiment ne jamais s'arrêter, ne jamais tomber, ne jamais mourir, parce que sinon ça va être très compliqué de les récupérer. Donc vous attendez que vos soldats tous tapent le bloc ici présent, et ensuite on va faire en sorte que ces derniers tournent en rond. Although, didn't that chap over there march past once already? Pour que les soldats puissent tourner en rond, il n'y a rien de plus simple, il suffit simplement d'enlever le bloc et ces derniers vont pouvoir rester tranquillement vivants sur la maison de marionnettes. Donc voilà, ça va nous permettre du coup de pouvoir débloquer, comme je vous l'ai dit, le soldat de plomb. On va pouvoir aller taper la poule qui est sur la chaise, comme je vous l'ai dit. Et puis, on va pouvoir s'aventurer à l'arrière de la véranda, je pense, ou de la serre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et continuer ainsi les aventures de nos petits soldats. Vous allez pouvoir diriger le tambour vers celui-ci, le but étant de grimper au-dessus de la maison. Donc vous voyez avec votre petit personnage, vous allez sauter. Là, vous voyez, ben, je me suis écrasé, il n'y a pas de problème. Vous appuyez simplement sur LT pour revenir en arrière, pour rembobiner. Il n'y a aucune conséquence sur la suite de l'histoire. Ici, vous prenez un ballon et vous essayez vraiment de vous coller à l'extrémité. Le but étant d'atterrir sur la chaise la plus proche de vous. Là encore une fois, vous verrez, je vais mourir. Aucun souci. Hop. J'appuie sur LT, je rembobine. Et je retente autant de fois que cela est nécessaire. Une fois arrivé, eh bien, tambour sur la table. Et puis derrière le canon se trouve la chaise. Sautez dessus et la poule devrait se trouver là. Désolée, pour ma part, elle est déjà décédée. Bon. Tant pis, mais une poule est bien présente. Et puis ensuite, eh ben, on va pas se casser les nénettes. Vous allez simplement rembobiner encore une fois grâce à LT pour revenir sur le dessus de la cabane. Encore une fois, aucune conséquence. Donc vous pouvez y aller. Et ça va nous permettre de repartir depuis l'auteur de cette cabane. On va se diriger ensuite vers le bac de fleurs. Et puis on va manier les moulins et les tambours pour la suite de notre aventure. Ici, vous allez pouvoir diriger votre soldat vers la table le plus loin possible. Vous n'êtes pas obligé de prendre le ballon pour faire le petit gap, il n'y a aucun problème. Vous pouvez simplement aller sur cette table. Et puis, on va diriger ensuite ce canon vers un autre canon. Et ensuite, l'autre canon vers la cabane des oiseaux. Enfin, plutôt de l'oiseau. Il est tout seul. Afin de l'effrayer, parce que sinon, on va se faire manger. Donc, autant éviter, hein.
Voilà, donc vous avez repris un ballon. Ce moulin à vent, on va maintenant le diriger vers le tambour. Et puis, on va pouvoir sauter en hauteur sur les jardinières. Donc, ça va être parfait. Nous allons passer par le haut. Donc là, voilà, vous visez un peu où vous voulez. Et puis, on va passer du coup devant la cabane à oiseaux. Vide, puisque son occupant se trouve sur le mur. Donc, nous sommes tranquilles. Donc là, vous pouvez sauter tranquillement. Direction le moulin, hop, le tambour, la jardinière. Puis après, ça va être un jeu d'enfant, ça va être tout facile. Voilà, n'oubliez pas encore une fois, si vous mourrez, il n'y a aucun problème. Vous rembobinez avec LT et ça devrait bien se passer. Voilà, voyez, hop, je saute dans le vide, aucun souci, je rembobine. Voilà, la maniabilité de ce personnage, elle n'est pas forcément évidente. Donc, il faut vraiment faire attention, voilà. Deuxième suicide. Donc, faites bien attention. Mais grâce à LT, il n'y a aucun problème. Donc là, vous passez derrière le canon. Et puis, on va grimper, manier encore un canon. Et ensuite, nous aurons fini ce petit tour. Dernière ligne droite, on y est bientôt, courage, c'est la fin bientôt de cet enfer. Donc, eh bien ce canon, vous allez le diriger vers ce tuyau. Ensuite, appuyez sur le bouton grâce à votre personnage. Vous allez voir que le tuyau, en étant tapé, va stopper le moulin. Et on va pouvoir enfin diriger notre personnage vers la sortie. Vous sautez, hop, tadam, on y est. Donc ça c'est bon. Et nous allons maintenant pouvoir nous occuper de nos soldats. Vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué. Il faudra juste faire un peu machine arrière. Mais vous verrez, avec les moulins, tout se passera bien. Donc ici, vous remettez la pièce pour que les soldats puissent tomber vers la passerelle de ballon. Nous allons diriger ensuite, comme je vous l'ai dit, tel le saumon, les moulins le plus éloigné possible. Donc là, tout simplement, vous le dirigez vers ce moulin là-bas. Voilà. Et on va modifier ensuite ce moulin là pour que ces derniers puissent se diriger vers la brouette. Donc encore une fois, il n'y a vraiment rien de bien compliqué pour mener nos soldats vers la sortie. On aura fait tout le tour du jardin, on aura visité tous les parterres de fleurs, on aura vu combien c'est beau et que le gazon est bien entretenu. Magnifique, mais voilà. À peu près 20 minutes, j'ai envie de vous dire, d'escapade dans le jardin. Mais voilà, on y est. Donc, normalement, tout se passera bien. Dernière ligne droite, on y est. Rose, Albert, come back in now. Look, there's a storm coming. So it is. Come, Rose. Quick, quick. That's it. Back inside, you two.
Alléluia, c'est bon, on a fini avec le jardin. Enfin, n'oubliez pas de récupérer votre personnage en plomb pour que ce dernier se dirige vers la sortie si vous souhaitez faire un sans faute. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment le niveau le plus long de cet acte 2. Donc, ça y est, on va pouvoir se diriger au niveau suivant. Adieu les fleurs, adieu les insectes, on va pouvoir y aller. Hello. For me? Thank you. Have a nice day now. You too. Rose. Yes, Mummy. Can you please come down here? Oh no! What happened? Clumsy mummy, I suppose. I knocked it over by accident. Look though, at least I found that toy you were missing. I wonder who could have put it there. I forgot I used to do that when I was little. Can you help me clean up this mess, please? Of course. I shall go and fetch a broom. What's that? It's nothing. A letter for Daddy, I think. Boring. Grown-up matters. So, about that broom. Oh, yes. Aye, aye, sir. Broom and dustpan coming right up. Silly girl. Donc, nous nous retrouvons au 24e niveau. On va reprendre les vieilles mécaniques, à savoir vos soldats. En pause, dès qu'ils sortent de la boîte en appuyant sur RB, on va pouvoir voir le cheminement. Le but étant donc qu'ils puissent tourner en rond sur cette table afin de pouvoir libérer le soldat de plomb. Il y aura également une poule à qui il faudra tapoter le derrière. Voilà, donc je vous montre un petit peu tout ça et notamment comment faire tourner vos soldats en rond sur cette table. Voilà, vous avez pris possession de votre soldat de plomb, dirigez-vous assez rapidement vers la montgolfière. Pour cela, sautez sur la chaise, sur l'échelle, et puis installez-vous confortablement sur
cette nacelle, puisque les soldats de plomb vont devoir taper un boulet de canon. Vous le voyez, cette montgolfière est reliée à une autre par poulie. Donc ils vont devoir taper le canon afin de faire remonter la montgolfière. Encore une fois, je vous montre tout ça. On va déjà commencer par placer les blocs. Donc ici, le bloc en forme de T. Et puis le but, vous voyez, redescendre vers le tambour. Donc il faut qu'on bloque assez rapidos le cheminement. Vous allez mettre un U ici. De cette manière, ils vont taper et faire un aller vers le tambour. Vers le canon. Le canon, vous le dirigez vers cette montgolfière qui, encore une fois, par système de poulie, va faire monter notre soldat de plomb. On s'occupe de tout ça et ensuite on va les faire tourner en rond. Voilà! Boulet de canon tiré, votre soldat de plomb remonte. Ce dernier va maintenant pouvoir accéder au ballon et grâce au ballon va pouvoir voler jusque vers le canapé puisque la poule se trouve derrière le canapé, elle est bien cachée, vous allez voir. Donc là, vous allez prendre votre ballon et vous allez tenter de vous diriger vers le sofa. Moi, évidemment, je décide de pas faire ça correctement. Donc voilà, sautez bien. Et atterrissez sur le sofa. Vous allez voir. Donc là, je suis coincée. Vous allez voir derrière une petite planchette en bois. Et sur cette planchette se trouve la poule. On peut enfin visualiser cette fameuse poule ici présente. Donc voilà, vous pouvez la pousser avec X. Et ensuite, avec LT, puisqu'on ne peut pas remonter. Eh bien, vous revenez en arrière. Pas de problème. Voilà, on se dirige vers l'extrémité du canapé. Et puis, on va aller prendre appui sur ce tambour pour ensuite taper plein d'autres canons et libérer la voie pour nos soldats. Voilà, vous voyez qu'il y a un train contenant un tambour qui est bloqué par un ballon. Donc très important, avec ce canon, vous visez pour que l'autre ballon se lève et libère ainsi le passage au tambour qu'on va pouvoir utiliser. Allez, je vais vous spoiler un petit peu. Vous voyez, il y a un vase bleu. Ce vase bleu, il va falloir le briser puisqu'il contient un bloc qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour nos soldats. Donc là, vous allez diriger le train de cette façon pour que notre soldat puisse atterrir sur le buffet. Et puis, vous allez voir, on va utiliser le canon et le tambour pour avoir un effet de rebond. Et ainsi briser ce vase bleu et on va pouvoir de ce fait libérer un bloc et mener nos soldats vers la sortie.
prenez le train et essayez de le mettre en face de ce vase bleu et d'incliner l'angle du canon pour qu'il puisse atterrir donc sur ce tambour. Alors, toujours la visée que j'adore. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez incliner ce tambour pour que le canon vienne briser ce vase bleu. Oh, un bloc! Oh, on s'y attendait pas du tout! Pas de souci. Voilà, votre soldat, vous allez pouvoir le diriger ou le laisser là vers la porte. Et vous allez voir, moi j'ai pas mal galéré pour pouvoir placer mon bloc en forme de triangle. Je ne sais pour quelle raison il n'a pas voulu s'insérer de manière correcte vers son socle. Donc à plusieurs reprises, vous voyez, impossible de le mettre. Il disparaissait, donc pas de problème. Vous pouvez avoir aussi ce genre de bug. Aucun souci, mais à force de persévérance, j'y suis arrivée. Ne parvenant pas à faire correspondre le bout de bois avec son socle, pas de problème. Je tente plusieurs expériences et notamment la manipulation de blocs. Mais voilà, ne vous en faites pas, ça finira forcément par arriver si vous avez le même type de bug que moi. Tentez tout ce que vous pouvez. Le but, c'est vraiment de ne pas réessayer le niveau, ce serait dommage. Mais voilà, vous voyez, je tente moult choses. Tout ça pour finalement parvenir à insérer le bloc dans son socle. Alors, après une minute d'acharnement acharné, on va dire, je décide de mettre le jeu en pause. Et là, comme par miracle, ça bug plus. Bon, c'est peut-être ça la clé du succès. Si vous voyez que ça bug, n'hésitez pas à mettre pause, d'attendre quelques secondes et puis de relancer votre partie. Voilà, donc on va pouvoir maintenant modifier l'angle de ce tambour pour mener les soldats directement à la sortie. Et on va terminer ce 24e niveau.
mal de choses dans ce 25e niveau. Vous aurez un succès en lien avec cette poubelle. Il faudra faire sauter votre soldat de plomb dans cette poubelle. Ce qui augmente également votre pourcentage concernant le succès où vous assistez à toutes les morts de votre soldat, ou des soldats plutôt. Donc cela en fait partie, cette poubelle. Et puis il y a également une petite poule que l'on va pouvoir trouver. Elle se trouve tout en haut de cette horloge, je vais vous montrer comment y accéder. Mais encore une fois, hein, vous connaissez la chanson, il va falloir faire tourner vos soldats en rond sur cette table, afin de libérer celui qui est solitaire. Donc là, vous allez pouvoir placer vos blocs de manière très stratégique, comme ceci. Le but étant donc qu'il tourne en rond et qu'il ne meure surtout pas. C'est très important. Si eux tombent dans la poubelle, par contre, ce n'est pas le succès. Ça doit vraiment être votre soldat de plomb qui tombe dans la poubelle. Voilà, succès dans la poubelle et troisième mort, puisque je vous rappelle les deux précédentes, c'est celle où vous sautez simplement dans le vide et celle où vous vous faites dévorer par Jack in the Box. Voilà, donc ça c'est bien la troisième mort, celle de tomber dans la poubelle. Bon, appuyez sur LT, revenez en arrière, là vous allez prendre le tambour et on va faire en sorte de pouvoir monter sur cette horloge pour taper le popotin de la poule. Alors, vous allez pouvoir modifier les moulins à vent, donc comme je vous l'ai dit, toujours celui qui est le plus loin possible. Faites en sorte de diriger le tout sur le haut de l'horloge, et ensuite ce premier moulin vers le second. Et nous allons pouvoir donc pousser la poule, et ensuite continuer notre chemin en prenant le ballon. Voilà, la poule est ici, vous la poussez. Salut cocotte. Hop! Et maintenant, vous allez pouvoir prendre, comme je vous l'ai dit, le prochain ballon. Et on va pouvoir modifier l'angle de ce moulin pour atterrir sur la table.
Donc on va partir sur la gauche pour modifier l'angle du canon. Faites bien attention, il y a des gaps un peu partout. Encore une fois, si vous sautez, eh bien appuyez sur LT, pardon, pas de problème. On va diriger ce canon vers la harpe, comme ceci. Le fait de toucher la harpe va faire avancer notre autre soldat musicien. Voilà. Et ensuite, on reviendra un peu en arrière et on partira sur la droite cette fois-ci pour poursuivre notre périple. Alors, votre petit soldat, vous allez simplement le faire sauter sur l'accordéon. De ce fait, l'accordéon va libérer une petite fée. Cette petite fée va pouvoir faire avancer notre musicien. Ce dernier va pouvoir alors rentrer dans la nacelle de la montgolfière. Vous voyez encore une fois un système de poulies qui est relié, vous le verrez, au tableau. Et le tableau ainsi levé dévoile donc la sortie. Ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, simplement, il nous faudra diriger donc nos soldats vers la gauche pour qu'ils puissent partir en toute quiétude vers la sortie. Voilà, on va pouvoir tout simplement enlever ce bloc, le mettre là-bas pour faire rebond, et ensuite nos soldats se dirigeront tout naturellement vers la porte. N'oubliez pas encore une fois de faire rentrer également votre petit soldat solitaire pour avoir le succès de complétion concernant tous les soldats sortis. Niveau suivant, ici nous aurons un succès qui s'appelle Haut les cœurs moussaillon, ou Haut les mains moussaillon, non je crois que c'est Haut les cœurs moussaillon. Haut les cœurs moussaillon, et puis une poule que nous pourrons renverser, on va dire, comme d'habitude, grâce à notre soldat de plomb ici. Donc, eh bien, c'est simple, il faudra faire en sorte que nos soldats puissent. Allez, sur la table de jeu, vous voyez que notre soldat se trouve sur le lit. Donc on va devoir amener nos soldats jusque là-bas pour le débloquer.
C'est ici qu'on va pouvoir obtenir notre succès au liqueur moussaillon. Donc vous prenez votre petit bonhomme, très important de ne pas vous casser la figure évidemment, et vous le mettez vraiment derrière le gouvernail. Voilà, et ensuite vous allez, non sans peine en tout cas pour ma part, diriger l'air vers le ballon. Le but étant que le ballon avance et non pas recule comme vous le voyez sur l'image. Donc n'hésitez pas à basculer l'affichage si c'est compliqué, mais vraiment il faut que le ballon avance et vous débloquerez ainsi le succès au liqueur moussaillon. Succès obtenu, ça c'est parfait. Ensuite, on va continuer notre périple en montgolfière. Donc vous prenez le deuxième moulin avant et puis vous faites en sorte de le faire avancer. Le but étant que notre soldat puisse atteindre le plateau de jeu, là sur la table. On va ensuite pousser tous les sacs de l'est, entre guillemets, afin de pouvoir monter en hauteur. On va kicker la poule, ça c'est très important. Et ensuite, on va pouvoir continuer notre périple. Donc là, vous descendez. Parfait. Et puis, vous voyez ces petits sacs bruns comme ça. Eh bien, il va falloir tous les pousser. Purée, on a affaire à Jackie Chan là. Bon, voilà encore deux sacs à pousser et puis ensuite nous allons pouvoir prendre le ballon et nous diriger vers l'étagère de la bibliothèque. Là ça va être un peu périlleux parce qu'il faudra descendre d'un étage pour aller pousser la poule. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous mourrez, appuyez sur LT. Quatrième sac tombé, c'est bon, on est good. Voilà, on prend le ballon. Et on saute tout simplement sur l'étagère. Voilà, appuyez bien contre le mur pour être sûr de bien atterrir. Vous passez effectivement sous les livres. Et puis, vous voyez, la poule, elle est juste là, en dessous, vers le livre. Donc, il va falloir essayer de viser le plus précisément possible. Et kicker cette poule. Donc, vous voyez que moi, je meurs à plusieurs reprises. Je suis un peu coincée. Une fois la poule poussée, on va pouvoir retourner sur le plateau de jeu. Et pour ça, vous allez prendre le ballon et essayer de flotter de manière la plus gracieuse possible. Ensuite, reprenez un autre ballon et essayez de flotter contre le canon. On va devoir le diriger, vous le verrez, au niveau du ballon là-bas, histoire de faire contrepoids. Thank you.
Voilà, donc vous le voyez, nous avons libéré le chemin pour les soldats. La porte se trouve deux étagères plus bas, donc vous prenez votre personnage et vous essayez, en tout cas tant bien que mal, de pouvoir le guider vers la porte. Et puis ensuite, on va donc s'occuper de nos soldats, leur faire emprunter le haut du lit et ensuite arriver vers la sortie. Pour ça, il faut simplement déplacer le cube en forme de U pour qu'il puisse tout simplement rebondir, monter à l'échelle, ensuite taper sur le tambour, là-bas se rendre directement sur le plateau de jeu et ensuite voler gaiement vers la porte de sortie. Il n'y a rien de bien compliqué à faire, hein, vous le verrez. Bedtime, Rosie. Just one moment, Daddy. What are you drawing there, Poppet? Look, it's a little action scene starring your toys. What do you think? gosh, that's really impressive, actually. Why, thank you, kind sir. The little artist in you has really started to blossom, hasn't she? She'll be outdoing Mummy soon enough. I wish. Daddy? Is Mummy all right? She seems so sad all the time lately. Yes, dear. Mummy is fine. Don't worry, Rosie. Everything will be fine. Daddy will take care of it. I promise. Good night, Angel. Vingt-septième niveau, ici pas de soldats solitaires et donc pas de poules à bousculer puisque nos soldats à la queue leu-leu ne peuvent le faire. Ici simplement ces derniers qu'il va falloir mener à travers la table pour atteindre la sortie. C'est pas un niveau très compliqué, vous le voyez, elle est ici sur la cheminée. Voilà, donc il faut simplement prendre les blocs et agencer le chemin tout gentiment. Et puis il y a également sur la table au plus loin, vous voyez, trois petits canons qu'il faudra manipuler les uns derrière les autres afin de tirer sur une cible. Et cette cible permettra donc de libérer le chemin. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de bien complexe là-dedans. À bien y réfléchir, je pense pas en réalité que la cible débloque grand chose, si ce n'est que voilà, vous en avez trois sur votre chemin et qu'à un moment donné, il faut bien que le troisième canon tire quelque part. Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là. Vous le voyez bien, hein, y a rien, il n'y a pas d'obstacle qui permettrait aux soldats de déboucher vers leur mort. Donc voilà, je pense que c'est juste une cible pour faire joli et c'est pas plus mal.
Dear Mr. Butterworth, as per your request, we at the clinic have been making inquiries within the local medical community. However, as I had feared, this process has been far from fruitful. Most of my colleagues are of the opinion that there is little that can be done for Mrs. Butterworth at this point. I have consulted my old friend, Professor Rotham, and discussed the matter at length. So far, he's been the only one to offer a faint glimmer of hope. He spoke of an experimental treatment that was recently trialed on the continent. Please visit my office at your earliest convenience so that I can brief you in more detail, but please do manage your expectations. Dr. Rotham referred to the cost of this treatment as astronomical and emphasized that the ratio of success is extremely low. However, you have made it clear in our conversation that you are determined to try anything, which is why I thought it worthwhile to bring this development to your attention. Kind regards, Dr. Oliver Knowles. Alors avant que vos soldats n'atteignent donc la cheminée, placez donc le dernier cube de bois pour leur permettre de se diriger vers la sortie. Ainsi, les soldats ne tomberont pas de la cheminée et ne mourront pas dans d'atroces souffrances. Voilà, donc en forme de triangle et ça devrait faire l'affaire. On va maintenant se diriger vers le 28e niveau qui n'en est pas vraiment un. Le 28e niveau est une cinématique mais c'est considéré comme un level parce que vous le voyez quand vous vous retrouvez dans le bureau, vous pouvez refaire les niveaux et donc cette cinématique est considérée comme je vous l'ai dit comme le 28e niveau. Donc je vous laisse apprécier et on se retrouve ensuite pour le 29e et dernier niveau. What's wrong, my dear? Scared, Albert. Why is this happening? What are we going to do? Shh. I don't want you to worry. I'll take care of it. I promise. I have a plan. How can you take care of this, Albert? This isn't something you can fix. I'm not one of your broken toys. I'm sorry. I didn't mean to be so harsh. I know you want to help. I know, dear. Don't worry. I want you to trust me. It will be fine. I do trust you, Albert. You get some rest now. All will be well. You'll see. Triste histoire, on croit comprendre du coup que la maman est malade, alors probablement un cancer pulmonaire, puisqu'elle n'arrête pas de tousser et qu'il n'y a pas de traitement efficace. On en saura un petit peu plus dans le troisième acte. En tout cas, là, on va se diriger vers le dernier niveau qui se trouve là, dans le corridor. Et ici se trouvera donc aussi une poule, puisque vous avez votre soldat solitaire ici présent. Donc la poule se trouve là, entre ces deux caisses. Donc il faudra revenir en arrière avec votre soldat. Et ensuite, eh bien, nous pourrons terminer l'acte 2. Bravo, félicitations, mais pour l'instant, on n'y est pas encore.
ici donc, pause comme d'habitude et puis vous allez manier grâce à RB et la visualisation de la trajectoire, on va pouvoir amener nos soldats vers le sort de petit manoir, le petit château où se trouve Béatrice, hein, je crois que c'est ça. Voilà, donc très important. Et puis, nous n'avons pas de blocs avec des formes particulières, on va juste disposer nos blocs de part et d'autre. Et ici, nous allons faire en sorte que les soldats fassent des allers-retours entre là et le bout de la caisse. S'ils tombent en bas, vous le voyez, eh bien, ils sont coincés. Et comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, il faut vraiment qu'on bloque le chemin de la meilleure manière possible en manipulant ces blocs et en faisant en sorte que ces derniers ne tombent pas. Voilà. Donc pour l'instant, on fait comme ça. Ça me semble pas mal. Et puis on va y aller, hein? Let's go! Voilà, donc attendez bien que le dernier soldat bien atterrisse sur la caisse. Et puis on va prendre ce bloc-là pour bloquer le passage. Comme je vous l'ai dit, s'il tombe dans le fin fond de la caisse, là en bas, là où il y a l'échelle, eh bien, vous ne pourrez plus les récupérer. Ce serait dramatique. Donc, il faudra recommencer le niveau. Donc là, en faisant comme ça, on va essayer de les bloquer dans un sorte d'angle droit à 90 degrés. C'est très important pour pouvoir continuer la suite de l'aventure. Et puis, nous, on va pouvoir, du coup, jouer avec ce dernier soldat de plomb. Et surtout, aller kicker le popotin de la poule qui se trouve là-bas. C'est très important. Donc, vous allez prendre votre personnage et vous diriger vers cette échelle. Évidemment, je tombe dans les trous. Je ne suis pas très douée avec les espaces plutôt entre les livres, les blocs ou les caisses, hein, vous le voyez. Donc, LT s'il vous arrive la même chose. Pas besoin de passer par le ballon, mais bon, moi je trouvais ça joli parce que j'ai obtenu un ballon violet et que j'adore le violet. Donc voilà. Vous allez vous diriger vers la gauche. Vous le voyez, il y a une échelle. Parfait, vous pouvez grimper. Par contre, là, il va falloir prendre le ballon. Mais avant cela, nous allons manipuler le moulin à vent ici présent et on va diriger notre bonhomme vers une de ces caisses, peu importe. Donc on y va et on va pouvoir du coup taper la poule qui se trouve cachée là derrière ces deux caisses. Donc prenez votre envol. Collez-vous bien contre le mur, c'est très important, sinon vous allez tout simplement ne pas y arriver, comme vous le voyez. Donc, vraiment très important, essayez de voler le plus loin et de vous coller au mur. Voilà donc la poule ici présente, on va pouvoir la pousser, hop, et puis on va pouvoir maintenant revenir à notre point de départ. Pour ça, rien de bien compliqué. Alors, vous pouvez appuyer sur LT, chose que je n'ai pas faite. Hein. Moi, j'ai voulu faire un peu l'aventurière, la guerrière, peu importe. Voilà, mais vous pouvez sans autre grimper sur les caisses et puis reprendre ensuite. Vous voyez, voilà, je suis décédée. Donc, faites très attention quand vous descendez. Partez vraiment toujours vers la caisse la plus basse pour essayer de ne pas mourir. Et là, vous le voyez, on va pouvoir du coup remonter sur l'échelle et diriger maintenant les deux moulins à vent pour nous permettre de retourner à notre lieu d'origine.
Donc, essayez vraiment de sauter le plus tardivement possible pour atteindre la caisse. La maniabilité n'est pas vraiment folichon. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises, vous voyez, avec mon petit ballon jaune là. Mais voilà, le but est vraiment que vous puissiez passer ce gap avec ce ballon. Donc vraiment, essayez d'évaluer au mieux la distance. Et puis on va pouvoir ensuite s'occuper du canon là-bas qui va nous permettre de continuer notre périple. Donc avec ce canon, essayez de viser la structure ici en bois et en le détruisant, et bien cette dernière va pouvoir faire monter l'échelle et vous pourrez ainsi grimper sur l'étagère grâce à votre personnage. Voilà, donc on s'occupe maintenant des tambours. Ce deuxième tambour sur le troisième. Le troisième va nous permettre de sauter ici pour rejoindre ce canon. Ce canon, vous allez viser direction la petite planche là, qui est une scie, afin d'abaisser l'instrument et permettre ainsi de créer un passage pour nos soldats et ainsi atteindre la porte. Donc là, avec votre personnage, vous sautez du mieux que vous pouvez vers le premier tambour. Direction ensuite le deuxième, vous pouvez passer par les pots de peinture, pas besoin de ballon, faites bien attention. Deuxième tambour, troisième tambour, hop, j'arrive en hauteur, magnifique. Vous appuyez ensuite sur le bouton, vous le voyez, la scie va créer donc ce fameux passage, un peu périlleux d'ailleurs, vous verrez. Et on va pouvoir redescendre gentiment, faites attention hein, de ne pas descendre trop brusquement au risque de mourir donc évidemment. Prenez donc un ballon et ensuite, très gentiment, on va se rendre vers la porte de sortie. Rien de bien compliqué pour notre personnage dès à présent. Voilà, on va pouvoir maintenant s'occuper de nos soldats. Ils doivent emprunter plus ou moins le même passage, voire carrément le même passage d'ailleurs, que notre soldat ici à présent. Donc, vous allez pouvoir libérer les blocs, libérer le chemin, faire en sorte que ces derniers montent l'étagère, descendent, prennent les tambours, prennent également les ballons et se dirigent vers la porte. Et on va manier tout ce chemin grâce aux blocs sans forme prédestinés. Vous allez voir, ça va être assez facile. Voilà, donc vous le voyez, nous n'avons que 4 formes, donc il faut faire en sorte que nos soldats prennent l'échelle, puisque vous voyez qu'il y a un gap assez important vers l'échelle qui se trouve à gauche, donc nos soldats ne peuvent pas y accéder. Ils vont vraiment devoir faire le même chemin que notre soldat solitaire. Donc là, je manie le bloc, mais ils ne doivent absolument pas passer par les ballons. Mauvaise interprétation de ma part. Il faut donc qu'il grimpe l'échelle ici, qu'il puisse descendre sans problème ses blocs et puis remonter par l'échelle qui est là-bas. Prendre ensuite les ballons, les moulins à vent, le tambour pour arriver ensuite gentiment vers, vers la table là-bas en fait. Donc là, je vous fais ça, mais non, pas du tout. Hein. Vos soldats ne doivent pas passer par les ballons. Vous voyez qu'ils vont arriver au sol et ça n'a aucun intérêt. Donc il faut plutôt les diriger vers l'échelle que vous voyez ici pour prendre ces ballons-là. Donc voilà. Au contraire, il faut mettre le bloc le plus loin possible. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu comment faire, bien que j'ai bien galéré.
Avec le deuxième moulin vent, vous allez essayer de viser la passerelle pour que ces derniers puissent prendre les ballons. Et vous verrez que ces ballons les mèneront bien loin. Ils arriveront même à passer au-dessus des appliques. Donc ça, c'est pas mal. C'est des ballons gonflés au super hélium, là. Donc voilà. Passerelle avec le petit ballon. Premier moulin, deuxième moulin. Ensuite, deuxième passerelle de ballon. En hauteur, ici, au-dessus de l'étagère. Ça vole loin. Ils vont passer au-dessus des appliques. Et atterrir ensuite gentiment ici sur cette caisse en bois. Ils devront ensuite prendre le tambour. Vous devrez ensuite diriger l'angle de ce tambour vers la caisse en bois histoire qu'il puisse répercuter cette caisse en bois. Et ensuite prendre ce troisième, j'ai envie de dire, esplanade, je sais pas c'est quoi, c'est un pont de ballon. Voilà, pour ensuite voler gaiement vers là-bas. Vous allez voir, on va devoir placer un bloc, histoire de les diriger vers la scie, non sans difficulté d'ailleurs. Vous verrez que c'est assez périlleux, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai cru qu'ils allaient passer par-dessus bord. Donc vous voyez, ça frôle vraiment la bordure de la scie, mais ça passe quand même, il n'y a pas de souci, ils ne vont pas mourir. On va ensuite utiliser les derniers blocs ici, afin de faire le chemin tranquillou pépère vers la sortie. Vous voyez qu'il y a un trou entre ces deux caisses, pas de problème, les soldats arriveront à la passer. Donc vous ne craignez rien, voilà. Ensuite, nous pourrons dès lors terminer ce deuxième acte, enfin. Alléluia! Alors, avant de partir, n'oubliez pas Lucky Luke, votre soldat solitaire. Ce serait dommage de l'oublier. Voilà, vous obtenez donc le succès, ça le comble. Bravo, vous avez récupéré tous les soldats de cet deuxième acte. On va pouvoir descendre dans le sous-sol. Mon Dieu, que c'est lugubre. Voilà, et ensuite clôturer cet acte en franchissant cette porte. Alors, pour une raison quelconque, je ne sais pas trop, j'ai eu un bug. Vous voyez, quand j'attrape la poignée pour la posséder, eh bien, la porte reste coincée. Impossible de l'ouvrir. Voilà, donc vous voyez, j'ai refermé la porte. Et ensuite, vous me voyez incapable d'ouvrir cette porte
Pas de problème, vous faites comme moi, vous allez cliquer sur menu et ensuite retourner au bureau. Et une fois que vous retournez au bureau, eh bien, vous pourrez aller au 30e niveau. Et ce 30e niveau va donc vous permettre d'obtenir les deux derniers succès qui vous restent. Et voilà, les deux succès sont obtenus. On va s'arrêter là. On se retrouve bientôt en tout cas pour le troisième acte. J'ai hâte. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à la partager ou à commenter. Je réponds très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch. Je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.